Et l'ironie, c'est que la plupart des boutiques qui ont été détruites au cours des émeutes appartenaient à des commerçants noirs. Mais c'est débile, à quoi est-ce que ça sert de saccager son propre quartier? C'est là où je veux en venir. Nous avons affaire à un acte irrationnel. Rien d'autre qu'une manifestation de rage de la part de personnes qui se sentent rejetées et totalement ignorées par le système. Tout à fait. C'est comme ce qui s'est passé à Watts et au moment des émeutes à Chicago en 68. C'est des conneries, on ne fera pas gober ça. Dire qu'une émeute, c'est une manifestation de rage irrationnelle, c'est une échappatoire. C'est de l'opportunisme mesquin. Et tous ces gens ne cherchent qu'à profiter des excuses qu'on leur fournit pour les piller des boutiques, c'est tout. Et le fait que ces gens aillent saccager des magasins dans leur propre communauté ne fait que mettre en évidence, une fois de plus, que ces personnes n'ont absolument aucun respect que ce soit de la loi et sont incapables de concevoir l'idée de communauté ou de responsabilité civique. Ah, excuse-moi, mais la communauté blanche commet des crimes au sein de la communauté blanche. Ah oui, mais ils sont loin de faire l'hécatombe que font les Noirs entre eux dans toute l'Amérique. Lisez un peu les statistiques, nom de Dieu. Un noir sur trois est actuellement dans le collimateur de la justice, à quelque niveau que ce soit. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que ces gens ont une sorte de disposition raciale à commettre des crimes? Pas seulement, ils sont fiers en plus. Ça peut être le signe d'une certaine partialité du système judiciaire. Oui, si tu parles statistiques en matière criminelle, tu dois tenir compte des inégalités sociales qui génèrent ces statistiques. Et bla, et bla. Tu vois, Davina, c'est exactement ce que je déteste. Parce que ce que tu fais, c'est prendre une chose et l'appeler autrement. Et tout ça pour, en fin de compte, atténuer la responsabilité de ces personnes vis-à-vis de leurs actes. C'est comme dire, ce n'est pas une émeute, c'est de la rage. C'est pas un crime, c'est de la pauvreté. C'est des conneries, tout ça. C'est absurde. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé au cours de ce procès. Parce que les médias ont tellement manipulé les faits que les gens sont restés braqués sur le fait de savoir si les flics seraient condamnés ou pas et si les droits de Rodney King avaient été respectés ou non. Et en fin de compte, tout le monde a perdu de vue que c'était Rodney King lui-même. Et ce mec est un criminel. De son propre aveu, il est raide défoncé à tomber. Il roule à 190 dans sa bagnole. Il est sur l'autoroute, il se fait choper par une patrouille de flics et il les agresse. Il a agressé des officiers de police, c'est quand même ça l'important, et s'en tire. Ouais, et il y a une espèce de gros con qui est arrivé avec sa vidéo à l'épaule et il a filmé que la moitié. Alors du coup, on les voit seulement en train de le tabasser. Exactement, et maintenant on a Powell et Kuhn qui se défoulent sur lui en lui balançant des coups de matraque et Briceño qui lui donne un coup de pompe dans la nuque, alors ça fait des ordres et les gens disent « Oh, le pauvre type !» Mais le pauvre type en question a agressé 4 flics et les flics ont terminé à la barre à essayer désespérément de se défendre alors qu'ils n'avaient fait que suivre rigoureusement ce que prescrit le règlement en cas d'agression. Je ne crois pas que c'est ce qu'a montré la vidéo. Ah, tu ne crois pas? Ouais, pourquoi? Tu es une spécialiste en la matière? Murray, qu'est-ce que tu en penses? Bien, je crois en l'occurrence que la police a eu recours à la matraque de manière excessive. Mais de quel droit vous dites ça? Je crois au contraire que c'était totalement justifié. Je crois qu'ils sont quand même mieux placés que nous pour pouvoir juger la situation. En fait, nous, la société, concédons aux flics un certain degré d'autorité pour pouvoir intervenir. Parce qu'il est évident qu'ils font un travail difficile et dangereux. Eh oui, malheureusement, il y a très peu de gens qui respectent ça et qui respectent leur autorité. Ah oui, c'est toi qui parles de respect, monsieur Ku Klux Klan Junior. Oh, quoi? Oh non, maman. S'il te plaît, Davina. Je vais te dire une chose. Si tu veux aller à la fac, Davina, va falloir apprendre à écouter. Derek. J'ai pas dit que je respectais leur loi. Je reconnais l'autorité d'un flic. Je ne respecte aucune loi qui permette à un macaque comme Rodney King de s'en tirer. Secondo, je ne suis pas, et tu sais très bien, membre de cette minable et bordélique assemblée de péquenauds qui se fait appeler de Ku Klux Klan, s'il te plaît. Sors la tête de ton cul deux secondes. T'es à côté du problème. Je parlais d'une chose et toi t'es passé à une autre. C'est quoi cette chose? Où veux-tu en venir? Ok, réfléchissez, imaginez une seconde. Si Danny avait traversé la rue justement ce soir-là et que Rodney King l'avait renversé avec sa... Est-ce qu'on ne peut pas arrêter avec cette histoire de Rodney King? Qui prendra du dessert? On est en train de discuter. On discute gentiment si tu veux bien. Discute. Si Rodney King, qui roulait ce soir-là défoncé au Chivas Regal et aux amphétamines, avait tué Danny, tu ne tiendrais pas le même discours mais à propos des flics qui font leur boulot. Personne sur la vidéo, et toi non plus. Le hasard a voulu qu'il ne tue personne, Dieu merci. Appelle-moi fort, tu veux, Ali est en train de dormir. S'il avait tué quelqu'un... C'est vrai quoi, réfléchissez. Si cette espèce de macaque avait renversé un gamin, tout le monde aurait un point de vue complètement différent sur cette affaire. Les gens se seraient focalisés sur Rodney King et pas sur les policiers. Mais au lieu de ça, il agresse juste quelques flics. Et tout à coup, il y a une solidarité dans toute l'Amérique pour cette ordure de mec, cette espèce de bâtard. Ça me tue, ça. On est tellement conditionné par ce genre de discours qu'on a l'obligation d'aider le pauvre noir opprimé, c'est pas vrai? Faire preuve d'indulgence jusqu'à ce qu'il ait enfin triomphé de siècles d'injustice. Mais arrêtez les conneries, vous faites qu'entretenir ce genre de truc. Tout ce discours libéral absurde, tout le monde a le regard tourné dans cette direction pendant que notre pays est en train de pourrir de l'intérieur. Mais nom de Dieu, Lincoln a libéré les esclaves il y a 130 ans déjà. Alors ça va durer encore combien de temps cette histoire avant de se prendre en main?